Bonjour à tous, bienvenue dans ce live proposé par le service Savoir Pratique de la BPI. Ce soir, nous allons donc parler de l'alimentation durable avec Aurélie Luneau, Yuna Chifolo et Mathilde Coudray, et je les remercie de leur participation. Avant de laisser la parole à Aurélie Luneau qui va animer cette rencontre, je voudrais rappeler aux lecteurs de la BPI qu'ils peuvent actuellement trouver une valorisation d'ouvrages sur ce sujet au niveau 3 de la bibliothèque, avec notamment des ouvrages de Yuna Chifolo. Je voudrais également rappeler qu'il y a des articles sur le sujet qui ont été publiés sur notre site Balise, le site de la BPI, et que nous organisons jeudi 1er avril à 18h30 un atelier autour des labels bio avec Frédéric Denez qui animera l'atelier. Et vous pouvez vous inscrire, nous vous laisserons dans les commentaires l'adresse mail pour obtenir le lien qui vous permettra d'accéder à l'atelier. Je vous rappelle aussi que vous pouvez tout au long de la rencontre publier vos commentaires sur Facebook et ils seront pris en compte au fur et à mesure de la rencontre ou à la fin. Je laisse la parole à Aurélie. Belle rencontre à tous. Bonsoir à tous et merci effectivement de nous rejoindre en direct depuis vos écrans pour cette conférence proposée par la BPI sur le thème donc vers une alimentation durable. C'est une question plus que jamais au cœur des préoccupations des citoyens qui montrent un intérêt croissant pour les circuits courts, pour l'alimentation locale, mais aussi du côté des dirigeants, avec comme actualité forte, directe, la loi climat et résilience en discussion à l'Assemblée nationale. Et puis, on n'oublie pas non plus, en 2017, les États généraux de l'alimentation qui se sont tenus, qui ont généré beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup de frustrations. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler avec nos deux invités. Et donc, ces États généraux qui avaient abouti sur la loi Egalim. Merci aussi à Chloé Choulton pour ce cycle de conférences qui continue à vivre en distanciel et dont la collection, je vous le rappelle, est à retrouver sur le site de la BPI. Et puis, un petit clin d'œil à notre technicien Renaud Gis qui réalise l'émission et pour le soin, bien sûr, qu'il apporte à la captation au bon déroulé du live en ligne et donc de cette rencontre qui va nous rassembler pendant une heure. Et bien sûr, vous pouvez adresser vos questions que je relayerai auprès de nos deux invités. Avec nous, justement, ce soir, Mathilde Coudray, bonsoir. Bonsoir, Aurélie. Vous êtes chargée de mission à la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Et le plus simple, c'est peut-être que vous vous présentiez, que vous nous parliez justement de votre rôle et de vos activités. Oui, merci beaucoup Aurélie, merci pour cette invitation. Alors, la chaire UNESCO Alimentation du Monde, en fait, elle est portée par l'école d'agronomie de Montpellier, donc Montpellier Supagro, et par le CIRAD, qui est un organisme, un institut de recherche sur les enjeux de l'agriculture et du développement. Et donc, à la chaire, on travaille avec un réseau d'acteurs scientifiques et d'acteurs de terrain qui va bien au-delà de ces deux institutions. Et donc, on travaille sur la thématique, on va le voir ce soir, très large de l'alimentation durable, qui englobe donc tout un paquet d'enjeux, et avec une posture qui est celle de décloisonner les savoirs. Donc, décloisonner les savoirs, ça veut dire décloisonner les discours d'experts, soit disciplinaires, soit d'experts de terrain, et de réussir un petit peu à faire dialoguer ce monde complexe des acteurs de l'alimentation durable. Et donc, notre cœur de métier, c'est le dialogue science-société, qu'on va retrouver dans tout un pôle d'activités de formation, notamment un master spécialisé dans laquelle la chaire est investie, donc un master spécialisé IPAD pour innovation et politique pour une alimentation durable, vous voyez. Et puis tout un pôle d'activité sur des questions de recherche, donc on va monter des projets de recherche justement
justement pluridisciplinaire et où on va essayer de valoriser en fait les résultats de ces projets de recherche sur le terrain. Qu'est-ce qu'on en fait de ces résultats de recherche? Et puis bien sûr, et je m'arrêterai là, tout un pôle d'activité vraiment de dialogue science-société pure avec le montage de colloques et de séminaires. Très riche, comme on le comprend avec vous, Mathilde. Avec nous aussi, donc Yuna Chifolo. Bonsoir, Yuna. Bonsoir. Vous êtes ingénieur agronome et sociologue économique à l'INRAE. Je rappelle, l'INRAE, c'est l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous êtes également co-animatrice du réseau national d'experts sur l'alimentation locale. On peut citer quelques-uns de vos livres. Vous êtes auteur donc du livre « Les circuits courts alimentaires entre marché et innovation sociale », un livre édité chez ERES. Et vous avez co-dirigé le livre « Manger au temps du coronavirus », un livre paru aux éditions Apogée. Peut-être on peut démarrer avec vous, Yuna Chifolo. Premier point, c'est quoi une alimentation durable? Définition. En une minute. Eh bien, en fait, c'est... il n'y a pas de définition. Donc, chacun y met ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, ce qu'il espère, ce qu'il promet. Donc, ça donne une diversité d'approches qui, à la fois, en fait la richesse, puisque un cadre, finalement, pourrait représenter les intérêts de certains et pas les intérêts des autres, mais en même temps, qui est aussi, évidemment, source de faiblesse, de confusion. C'est pour ça que l'enjeu n'est pas forcément tant de cadrer, parce que cadrer, c'est nuire à la diversité, à l'innovation, aux envies, au futur, mais en même temps, on a quand même besoin d'avoir un certain nombre de repères. Alors, quand on dit alimentation durable, c'est vrai que pour beaucoup, on pense bio, équitable, issu d'un modèle agricole spécifique. On pense aussi au type de production, de transformation, de distribution, de consommation, etc. Voilà, est-ce qu'on peut être quand même, peut-être Mathilde Coudray, donner une idée un petit peu de ce que ça recouvre? Alors, voilà, ce que dit Yuna, c'est évidemment qu'il y a une multiplicité de modèles derrière, et je souscris complètement à ça. Après, en fait, l'alimentation durable, ça va être très complexe parce que justement, l'idée, c'est que ce soit une alimentation qui soit quand même nutritionnellement adéquate, c'est-à-dire qui va recouvrir les besoins nutritionnels de chacun, qui va être saine, qui va être sécure d'un point de vue sanitaire, qui va être économiquement viable, qui va être accessible, abordable, qui va être protectrice et respectueuse de la biodiversité et des écosystèmes, et tout ça dans le même temps. Donc en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très complexe, et je rajouterais que c'est quelque chose qui doit se retrouver à l'échelle locale comme à l'échelle globale, et ce qui englobe toute l'ampleur du système alimentaire. Qu'est-ce que le système alimentaire? C'est pas uniquement la production alimentaire, c'est-à-dire c'est vraiment regarder comment les sociétés se sont organisées pour produire notre alimentation, pour manger. Donc ça va être la question de la production, ça va être la question de la transformation, ça va être la question de la distribution, de la consommation, de la gestion des déchets, etc. Donc tout ça, ça en fait une question vraiment très très complexe. Et aujourd'hui, effectivement, c'est d'autant plus complexe que le système alimentaire industrialisé dans lequel on est aujourd'hui, qui domine au niveau de nos pays occidentaux, il doit répondre justement à cette multiplicité des enjeux, avec des impacts environnementaux énormes, tant d'un point de vue de saturation des milieux que d'épuisement des ressources, des enjeux évidemment sociaux, avec une multiplication des intermédiaires, enfin, etc., etc. Donc en fait, on a énormément d'enjeux auxquels il faut qu'on cherche à répondre, et je suis complètement d'accord avec Yuna, c'est que derrière, en fait, l'alimentation durable, il va y avoir, en fait, il y a une multiplicité des modèles à réinventer justement en réponse à ce modèle unique. Et donc, on va pouvoir retrouver, on peut retrouver plein de choses. On peut retrouver pourquoi pas de l'agriculture bio, on peut retrouver des questions locales, mais avec à chaque fois, en fait, des choses à creuser derrière parce que c'est vraiment très complexe. Yuna Chifolo, donc on comprend bien que ça recouvre énormément de points particuliers, précis, que finalement, il y a des modèles d'alimentation durable. Est-ce qu'aujourd'hui, certains de ces modèles d'alimentation durable performants existent en France? Et si oui, on est à quelle échelle? Alors, en tout cas, nous, on a fait l'hypothèse à un moment, bien avant que ça devienne à la mode, que les circuits courts, justement, pouvaient apporter une approche intéressante de l'alimentation durable. Alors, pas la seule, évidemment, mais en tout cas... une approche intéressante aussi parce que l'alimentation durable, pour nous, c'est aussi un objet de démocratie. C'est
C'est-à-dire que l'idée, c'est que, et de co-construction, que ce ne soit pas imposé, mais que ce soit bien porté localement. Et c'est là qu'on voit justement la question de l'échelle, du territoire, du terrain, de ce qui est dans le proche, qu'entre les acteurs, justement, se définissent une façon qui convient pour eux, eh bien, de faire de l'agriculture, de produire son aliment, une façon qui convient, c'est-à-dire qui convient pour nous, pour les hommes, mais évidemment pour les animaux, pour la planète, pour l'environnement. Et donc, c'est cette idée que les circuits courts pouvaient justement apporter cette possibilité de débattre, de pas forcément être d'accord, mais en tout cas d'avoir la possibilité de se dire, bon, bah, parce qu'on sait bien que sur toutes ces dimensions-là, on ne pourra pas forcément en plus avancer en même temps et à la fois. Il y aura sans doute des compromis à faire, il y aura sans doute des étapes à se donner. Et donc, notre idée, notre hypothèse, ça a toujours été de se dire, voilà, on va regarder dans ces circuits courts et locaux, parce que le circuit court en France, au départ, c'est une définition officielle qui a été donnée en 2009, c'est un intermédiaire maximum entre producteurs et consommateurs. On y rajoute la dimension proximité géographique, c'est-à-dire moins d'intermédiaires, mais aussi des consommateurs et des producteurs qui peuvent se rapprocher, qui peuvent justement dialoguer aussi avec les transformateurs, avec les distributeurs, pour construire cette alimentation plus durable. Donc, et c'est justement ce qui nous motive, et avec des résultats justement à la fois très, très positifs, très prometteurs, mais en même temps, certaines dérives dont on ne manquera pas de reparler. Mais alors, je reste un moment avec vous, Yuna Chifolo, parce que vous travaillez en ce moment sur les effets de la crise sur ce terrain-là, les effets de la crise sanitaire pandémique, hein, bien sûr. Quel constat faites-vous, justement ? Alors, cette crise, déjà, elle a suscité un certain nombre d'inquiétudes, de peurs, et donc la façon aussi dont les gens ont réagi. Alors, vous avez vu, hein, on a tous vu l'achat massif au tout début du premier confinement en particulier. Hein, les gens allaient dans les supermarchés, achetaient beaucoup de peur de manquer. Mais on a vu très vite, finalement, un intérêt aussi fort pour les circuits courts, pour les produits locaux. Alors, différentes motivations derrière. Pour certains, c'était justement plus sûr que les supermarchés, parce que les produits, ils avaient été moins manipulés, ils avaient moins voyagé, donc il y avait un risque moins élevé de contamination. Et puis, c'est aussi parce qu'on avait plus de temps pour cuisiner, et donc, les gens s'inquiétaient davantage, ou en tout cas se questionnaient davantage sur la qualité des produits. C'était aussi par solidarité vis-à-vis des producteurs locaux, en particulier quand les marchés de plein vent ont été fermés. Beaucoup de consommateurs, justement des consommateurs pas forcément justement sensibilisés à l'alimentation durable, mais qui sont capables de solidarité et donc se sont tournés vers des producteurs pour les aider en voyant que justement cela pouvait avoir des difficultés. Donc on a vu un mouvement très fort au niveau du terrain, un mouvement qui justement avec des organisations entre citoyens, qui on a vu beaucoup fleurir partout en France, des groupements d'achat entre voisins, entre amis, qui se réunissaient avec des SMS, des groupes Facebook, des WhatsApp, ou un petit mot dans la cage d'escalier en disant « Tiens, je connais un producteur local, j'organise une commande, est-ce que ça vous dit de vous joindre à nous ?» Eh bien, en fait, voilà, tous ces mouvements qui, parfois, ont été beaucoup plus réactifs, beaucoup plus rapides que les politiques publiques. Qui, elle aussi, avait certes beaucoup à faire, mais en tout cas, donc, ont pris la main et ont pu permettre justement l'accès de personnes, de consommateurs beaucoup moins sensibilisés, voire même ne fréquentant pas du tout ces circuits, d'y rentrer et de faire l'expérience justement d'une alimentation qui n'est pas simplement s'alimenter pour se nourrir, mais s'alimenter pour éventuellement transformer la planète, transformer les modes agricoles et de consommation vers des modes plus durables. Mathilde Coudray, sur cette question-là, alors c'est vrai qu'on a vu aussi que cette crise de Covid a accentué les problèmes de nos systèmes alimentaires, hein. Les inégalités économiques, alimentaires se sont retrouvées exacerbées, il ne faut pas l'oublier, à tel point qu'on voit notamment, hein, des étudiants qu'on ne retrouvait pas dans ces demandes de soutien alimentaire se retrouver effectivement devoir le faire. Oui, tout à fait. Après, comme l'a dit Yuna, on a vu des modifications
sur les approvisionnements aussi. Alors, enfin, par rapport à ce que tu as dit, Yona, enfin, c'est aussi parce que les gens avaient peut-être plus le temps aussi, ou un mode de fonctionnement différent. Donc, à voir aussi dans la durée, quand ce sera plus conjoncturel, ce qui réussit à rester, en fait, à perdurer. Mais c'est vrai que de manière peut-être. En tout cas, ça a permis aussi de mettre à jour en fait la vraie crise sociale qu'il y a derrière, alors qui existait déjà, hein, mais qui a été évidemment amplifiée par cette crise du Covid. Et notamment, on a vu une augmentation des personnes ayant recours à l'aide alimentaire. Donc, des personnes qui y avaient déjà recours, qui y sont allées beaucoup plus régulièrement, et aussi l'arrivée à l'aide alimentaire de personnes qui n'y allaient pas auparavant. Donc, vous avez dit, hein, Aurélie, notamment les étudiants. Et donc, dans Et ce donc ça, cas-là, l'accès à l'alimentation durable est plus difficile. et ben dans ce cas-là, évidemment que ce n'est pas une alimentation durable, d'autant plus que l'aide alimentaire, c'est quelque chose qui est censé répondre à une urgence, hein. Les personnes ne font pas le choix forcément de ce qu'elles mangent en fonction de ce qu'on met derrière l'aide alimentaire. Donc on n'est pas du tout dans de la durabilité là, on n'est pas du tout dans de l'alimentation durable. Pour terminer aussi sur cette crise sociale, le Covid, il a permis également de se rendre compte aussi de la réalité des métiers liés à l'alimentation, qu'on avait besoin de producteurs, qu'on avait besoin également de caissiers pour faire nos courses. Et en fait, il a mis aussi à jour la précarité de ces. Enfin, il a révélé aux yeux de tous, parce qu'on le savait déjà, mais en fait, ça a révélé aux yeux de tous la précarité de ces métiers-là. Et en ça aussi, c'est intéressant, cette crise du Covid. Voilà, cette mise à jour aux yeux de tous de ces réalités de précarité, quoi. C'est vrai que cette précarité, juste pour ajouter un petit peu d'informations et donner une ampleur, hein, l'aide alimentaire a explosé depuis les années 1980. De 2 millions de personnes concernées en France, nous sommes passés à 8 millions aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour effectivement être très clair sur ce problème qui est réel en France. Yuna Chifolo, comment est-ce qu'on peut accompagner les villes ou des territoires qui souhaitent développer cette offre alimentaire durable pour tous? Alors, il y a plusieurs façons d'accompagner, justement. Enfin, il y a plusieurs chemins. Et donc, nous, on essaie justement de penser à un chemin qui n'oublie jamais que les circuits courts et l'alimentation locale, ce n'est pas une fin en soi, mais justement bien un levier pour l'alimentation durable. Je dis ça parce qu'on voit quand même que, et je reviens, hein, sur cette idée de la peur, les collectivités aussi ont eu peur. C'est-à-dire que celles qui pouvaient avoir un certain nombre de circuits courts d'offres locales, déjà, ça les a confortées en se disant qu'il fallait aller plus loin. Et puis les collectivités qui n'en avaient pas du tout se sont dit, oula, mais il faut qu'on réagisse et qu'on installe des agriculteurs, ou en tout cas qu'on développe notre offre locale. Par contre, développer l'alimentation locale, ça peut se faire simplement, ça peut se faire sans modifier la gouvernance des chaînes alimentaires, sans finalement inclure aussi la question de la durabilité. Parce que vous trouvez très bien avoir une alimentation locale non durable. Moi qui habite à Montpellier, dans une zone de maraîchage, enfin, il m'a-t-il également, de maraîchage intensif, viticulture très connue pour son utilisation quand même importante de produits phytosanitaires. Donc, on a bien là un exemple d'alimentation et de boissons locales qui ne sont pas forcément durables, premièrement. Et puis, cette idée que l'alimentation locale, elle peut simplement, ça peut se limiter à relocaliser des filières longues, sans changer la gouvernance, sans recréer du lien entre producteurs et consommateurs, sans permettre une meilleure rémunération des producteurs d'un côté et puis des produits plus sains, plus équilibrés pour les consommateurs. Donc voilà, donc ça c'est un premier chemin. Alors on essaie justement de les orienter vers un autre qui est celui de circuits courts qui permettent aussi cette co-construction, cette coopération dans les territoires. Alors quel que soit finalement le nombre d'intermédiaires, c'est pas tant ça qui compte comme l'a dit Mathilde, que de recréer du dialogue. Du dialogue, des apprentissages, des partenariats. Et puis il y a une troisième voie qui grimpe et qui nous inquiète tout autant, c'est la voie technologique. Parce que finalement, s'affranchir des crises, ça peut être aussi avec un repli total sur soi.
et à grand renfort de technologie, eh bien, produire 100% d'alimentation locale, alors y compris avec des technologies propres, pour finalement se donner à la fois bonne conscience et puis s'afficher durablement, enfin s'afficher alimentation durable, mais qui pour autant donc, pourrait se faire même sans agriculteur, hein, puisque on peut imaginer. Alors c'est pas en France, on n'a pas encore des fermes verticales comme dans d'autres pays qui produiraient toute la nourriture dont on a besoin localement, en s'affranchissant des saisons, en s'affranchissant de la nature. Donc voilà, mais c'est une option qui commence à être proposée par des entrepreneurs privés à des collectivités qui se disent finalement, eh bien, comme ce n'est pas simple finalement d'installer des agriculteurs, le foncier est bloqué, le foncier agricole, on n'a pas le droit d'y toucher parce qu'il part à l'agrandissement, eh bien, pourquoi pas cette option technologique? Et c'est là que les citoyens doivent aussi décider de quel modèle agricole et de société et économique ils souhaitent, justement, eh bien, en participant au débat et en discutant justement avec leur collectivité pour plutôt aller vers une option qui s'ancre davantage dans la nature et dans des solutions basées sur la nature. Mathilde Coudray, j'imagine que l'avenir, c'est quand même et aussi travailler avec les agriculteurs et non pas sans eux, comme certains l'imaginent. Hein. On entend les propos de Yuna Chifolo qui parle des prouesses technologiques, les start-up agroécologiques, etc. La profession agricole a un vrai rôle à jouer dans cette mutation. Oui, enfin, on est aussi très attentif à ce qui se passe en termes de technologie. Et comme l'a très bien dit Yuna, en fait, ça interroge aussi... Enfin voilà, se nourrir, manger, c'est pas uniquement se nourrir. Et en fait, ces questions technologiques, elles réinterrogent vraiment notre lien, notre rapport à la nature et le lien humain-nature, humain-animal. Et donc, ça, c'est un vrai choix, effectivement, sociétal qui doit être discuté en société parce que ça peut profondément changer la nature humaine, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à regarder de manière très, très intéressante. Après, je voulais rajouter des petites choses sur le local pour rebondir sur ce que disait Yuna. Et en fait, je voulais me référer plutôt à Nicolas Bricas, qui est socio-économiste de l'alimentation au CIRAD et qui est également titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Sur la question du local, en fait, il interprète nos rapports à l'alimentation par des phénomènes de distanciation. Et des distanciations notamment géographiques, ce qu'on mange, parfois ça peut venir de très loin, en tout cas ça vient de plus en plus loin, des distanciations économiques, on va avoir une multiplication des intermédiaires entre notamment le producteur et le consommateur, des distanciations politiques avec des décisions qui sont prises, on ne sait plus trop où, et qui vont influencer fortement notre alimentation, et pour autant, on ne sait plus trop ce qui est pris comme décision à Bruxelles, par exemple, des distanciations cognitives, si vous regardez un produit, la liste des ingrédients sur un produit ultra transformé, je serais bien curieuse de savoir si vous êtes en capacité de me dire ce que sont tous les ingrédients. Bon, et en fait, toutes ces distanciations, elles créent, on a l'impression de perdre la main vraiment sur notre alimentation en tant que consommateur. Et effectivement, cette question de relocalisation, ça permet de reprendre un petit peu la main sur son alimentation. On a l'impression, on est vraiment en recherche de cette proximité-là. Et c'est en ça aussi que le mouvement du local, en fait, devient un peu un mot d'ordre. Alors, comme l'a dit Yuna, de manière assez simpliste, puisque local ne veut pas dire durable. Je voulais rajouter ça sur la question des distanciations. Mais est-ce que les fermes urbaines sont des solutions, par exemple? Ah Alors, qu'est-ce qu'une ferme urbaine? Parce que déjà, ferme urbaine, en termes d'agriculture urbaine, il y a quand même une multiplicité des formes, en fait, déjà, en termes d'agriculture urbaine. Une multiplicité aussi des contextes et des territoires. Donc, je pense que là encore, la réponse, elle ne peut pas être oui ou non, mais elle va avoir, en fait, ça va dépendre des contextes, ça va dépendre des territoires, il va y avoir des fonctions différentes sur ces fermes urbaines. Il peut y avoir, si on regarde déjà uniquement en France, puisque les contextes sud et nord sont assez différents, mais en France, on peut avoir des fonctions nourricières à la marge sur les grandes métropoles, notamment, où on va avoir pas de possibilité d'autonomie alimentaire,
et où on peut avoir des petites fonctions nourricières sur des produits notamment fragiles, par exemple des légumes, pour avoir des légumes frais. Mais après, en fait, les fermes urbaines, elles peuvent avoir, en fonction de toute la multiplicité des formes qu'elles peuvent avoir, parce que ça peut être très technologique, comme ça peut être pas du tout technologique, et ça peut être des jardins partagés, ça peut être des jardins ouvriers qui existent depuis le 19e siècle, peut-être. Et là, on peut avoir des fonctions qui vont être très différentes, qui ne seront pas des fonctions nourricières, mais qui peuvent être des fonctions pédagogiques, de rapport à l'alimentation, qui peuvent avoir des fonctions également de reconnexion sociale. Oui, de reconnexion à la nature, des fonctions aussi sociales pour refaire un peu de l'animation dans les quartiers, remettre du lien, des acteurs aussi qui vont avoir l'impression de reprendre également la main sur leur alimentation. On peut avoir des fonctions environnementales sur la gestion des eaux, sur la gestion de la chaleur. On peut avoir des fonctions de paysage. Donc, sur les fermes urbaines, en fait, il y a pareil tout un panel de possibilités avec un panel de contextes qui vont être très différentes. Et encore une fois, c'est aux acteurs des territoires aussi, s'ils avaient le moyen et s'ils pouvaient discuter entre eux sur ce qui est possible, sur ce qu'ils souhaitent en termes d'alimentation et donc aussi d'agriculture urbaine. Yuna Chifolo, sur ces questions-là ? Alors, après, tout dépend, on imagine aussi, de la taille de la ville, de l'environnement. Hein. Mais par exemple, une ville, on pense à Paris, on pense à des grandes villes, que ce soit Lyon, Bordeaux, Nantes, etc. Enfin, voilà, comment est-ce que peuvent être appréhendées ces propositions de fermes urbaines ? Alors, en effet, de toute façon, il ne s'agit pas quand même d'être... parce qu'il y a des versions low-tech, high-tech, beaucoup de technologie ou pas du tout. Et il ne s'agit pas d'être opposé à la technologie, parce que justement, la technologie aussi, elle est intéressante, elle peut diminuer la pénibilité du travail, parce que quand même, l'agriculture, c'est pas rigolo tous les jours. Et un certain nombre d'innovations technologiques dans le travail agricole sont quand même bienvenues. Par contre, si l'usage de la technologie crée des nouvelles dépendances et des nouvelles fragilités, là, à ce moment-là, il faut s'en méfier. Si à nouveau on perd la main en utilisant la technologie plutôt qu'on se renforce, à ce moment-là, il faut être vigilant. Et c'est là que justement, les fermes urbaines, il faut faire attention justement aux nouvelles dépendances qu'elles peuvent créer. Et au contraire, si elles permettent plus de nature en ville, de la pédagogie, du lien social, des apprentissages, alors avec de la technologie, pourquoi pas ? Mais dans cette perspective justement de garder la main. Hein, donc c'est important, puisque l'enjeu, c'est vraiment d'être résilient, c'est-à-dire d'anticiper aussi un certain nombre de chocs possibles, et donc vis-à-vis de qui peuvent menacer notre sécurité alimentaire, hein, des chocs, à la fois on sait qu'il y en a plein déjà qui nous menacent, il y en a d'autres, et notamment d'autres qui peuvent être liés justement à ces technologies. Donc il s'agit d'anticiper toutes ces fragilités possibles, et en tout cas de garder la maîtrise. Et donc, au niveau des villes, les villes ont une carte à jouer, évidemment. Donc, en installant des agriculteurs sur les terres qui leur appartiennent, mais aussi en étant facilitateurs aussi pour débloquer le foncier agricole. Donc, elles peuvent jouer un rôle de médiation important vis-à-vis de la profession agricole pour construire ce rééquilibrage. Puisque, de toute façon, la solution, c'est bien la coexistence. On parle de beaucoup de la durabilité, elle se fait moins dans... une forme serait plus durable qu'une autre, parce que finalement, vous allez voir qu'à chaque fois, ce n'est pas simple d'avoir de réussir à tous les coups et dans toutes les dimensions de la durabilité. Et parce qu'il y a une coexistence, de la diversité, eh bien, avec toutes ces solutions-là, on arrive quand même à des avenirs plus sûrs, quoi, et plus durables. Alors, vous nous parliez tout à l'heure, Yuna Chifolo, de votre propre lieu de vie, finalement, hein, et avec ce modèle d'agriculture dite conventionnelle, finalement, qui a l'air d'être plus présente dans votre secteur, qui domine d'ailleurs à l'échelle quand même de la France, malgré les nouveaux venus, les néo-ruraux notamment, qui aspirent souvent à développer un modèle dit plus vertueux, en tout cas plus durable. Est-ce que cela ne pose pas juste et majoritairement la question du système de gouvernance, que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi au niveau de l'Europe? On pense forcément à la PAC, la politique agricole commune, qui est en renégociation. Et on voit bien que les premiers résultats montrent un fléchage des aides plutôt sur le modèle conventionnel. Et je crois, de mémoire, que ce sont 20% des budgets de la PAC qui iraient, donc uniquement 20% qui iraient vers une agriculture durable. Oui, alors
On parle d'un système verrouillé, de toute façon, à toutes les échelles, hein, verrouillé, donc verrouillé autour d'une logique quand même de production intensive qui sert des intérêts d'un certain nombre de grandes entreprises et dans lequel la profession agricole finalement joue, en tout cas a choisi, ou en tout cas ne sait pas se défaire de ce modèle d'avant. Alors, aussi... parce qu'on reste quand même sur des ambitions de nourrir la planète, voilà, qui sont certes très louables, mais qui s'accompagnent justement, on l'a vu, hein, d'externalités quand même, enfin d'impact, en particulier environnementaux, mais aussi sociaux, hein, donc, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui finalement, pour atteindre ce modèle-là, sont très endettés. Hein. Je rappelle quand même que les agriculteurs, il y a plus de 40% qui génèrent un revenu inférieur au SMIC, on est quand même 22% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté, ménages agricoles. Donc c'est le prix social, le coût social hein, de cette ambition de nourrir la planète, environnementalement comme socialement, donc il est quand même important. Et pourtant, on n'arrive pas à s'en défaire. On est verrouillé, donc il faut bouger, il faut tout bouger. Le jeu, c'est comme un buzz, vous voyez, donc il faut bouger les choses à tous les niveaux. Donc c'est clair que l'Europe a des responsabilités. Et que le deuxième pilier de la PAC, donc celui qui va plutôt soutenir le développement rural, donc il est trop faiblement doté. Mais là, les citoyens ont peu la main là-dessus, sur ces débats-là qui sont complexes, qui sont technocratiques, et c'est le mauvais visage de l'Europe finalement. Mais c'est pas grave parce que l'Europe, il y a quand même des fonds dans l'Europe qui ont permis. Si y a toutes ces initiatives-là de circuit court, c'est quand même aussi grâce à l'Europe. Enfin, en tout cas, certains fonds de l'Europe. Ont su être activés. Donc, il s'agit, vous avez les projets leaders, par exemple, si vous connaissez ça sur vos territoires, donc on a quand même été des leviers, parce que finalement, les circuits courts, c'est beaucoup basé sur l'implication des gens. Et il faut juste des petits catalyseurs, il faut juste un peu d'animation. Ce n'est pas des coûts très élevés, qui seraient liés à beaucoup de technologies. Mais ce petit coup de pouce, justement, quand même, l'Europe a été capable de le donner. Au niveau de l'État, les choses aussi sont très verrouillées. La réglementation va toujours dans le sens de l'agriculture plutôt productive. Hein. Donc, le foncier agricole, j'en parlais, c'est très important. Il est plutôt bloqué. Il va à l'agrandissement et pas aux petites fermes. La réglementation soutient les grosses structures et pas les petites. Donc, voilà. Donc il y a un certain nombre de choses là aussi à changer. Mais en fait, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire et on fait partie des chercheurs qui ne cherchent pas que dans leur bureau. Mais se frotte, se confronte à ces acteurs politiques. On leur a proposé, notamment dans les États généraux, puisque j'ai témoigné sur les circuits courts déjà à cette époque, ensuite pour la loi Egalim, pour la loi climat et résilience, on leur a fait des propositions d'amendements, qui d'ailleurs ont été relayées par les députés LREM. Mais après, il y a un blocage, donc on voit quand même que... Mais les choses progressent, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, les députés ne le relayaient pas. Les choses progressent, alors on verra. Peut-être à la génération suivante, les choses iront mieux. Mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Donc il va quand même falloir aussi... Et où est-ce qu'on bouge? Eh bien, c'est au niveau local, chez vous, là, chez vos voisins, avec votre mère, avec les élus de votre territoire, dans votre famille, dans vos réseaux, dans vos amis. Et là, on voit quand même que des choses sont possibles. Mathilde Coudray, Yona Chifolo parlait de cette agriculture conventionnelle qui effectivement recueille le plus d'aide parce qu'on joue sur la productivité pour nourrir la planète. Mais du coup, la question, c'est est-ce que l'agriculture durable ne peut pas elle aussi nourrir la planète? Et dites-moi si je me trompe, mais les derniers rapports montrent que l'agriculture conventionnelle, de par l'utilisation massive d'intrants chimiques, affaiblit aussi, appauvrit la terre et que les rendements seraient en baisse. Tout cela, est-ce que ça n'est pas à prendre aussi en compte peut-être pour un changement de modèle? Si, après, comme l'a dit déjà un petit peu Yuna, en fait, effectivement, il y a ce focus sur nourrir le monde, en fait, qui doit aujourd'hui changer. Et en fait, effectivement, on doit nourrir le monde, c'est un facteur parmi d'autres. Aujourd'hui, il y a bien d'autres facteurs à prendre en compte, et notamment les enjeux environnementaux et les changements et les enjeux de changement climatique. Et donc, il faut mettre tout ça dans la balance. Et donc, c'est en mettant tout ça dans la balance qu'on va essayer de combiner plusieurs actions. Alors, on va combiner des actions sur
Bah, sur l'accès déjà en fait à l'alimentation, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas qu'une question de production, hein, quand on dit là, est-ce que l'agriculture conventionnelle peut nourrir le monde, bah, déjà ce serait bien que le monde aujourd'hui puisse avoir accès à une alimentation de qualité, une alimentation durable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des problèmes de répartition et non pas de production. Il y a des marges de manœuvre également sur les questions de gaspillage, de perte et de gaspillage, et puis il y a aussi des questions de régime alimentaire. Et donc effectivement on va essayer de travailler, de modifier cette agriculture conventionnelle avec une agriculture où il y aura moins d'intrants, qui sera moins impactante pour l'environnement, qui peut éventuellement avoir de moindres rendements. Mais en fait, il faut combiner tout ça avec plein d'autres choses, et notamment une réflexion sur les régimes alimentaires. Et aujourd'hui, on peut pas faire abstraction en fait d'une réflexion sur nos régimes alimentaires quand on pense à l'alimentation durable. Et notamment, ben, par exemple, sur la question de la viande, aujourd'hui, il y a une vraie nécessité dans nos pays, hein, en France, parce que dans certains coins du monde, ça pourrait être quand même plutôt pas mal d'avoir un petit morceau de viande dans l'assiette en termes de besoins nutritionnels. Mais en France, c'est vrai qu'il y a une nécessité de penser notre régime alimentaire, de réduire notre apport en produits carnés et d'augmenter, en fait, de végétaliser un petit peu notre alimentation. Et tout cela, en fait, peut se faire avec, bien sûr, les agriculteurs, les exploitants, les paysans, et non pas contre cette profession, bien au contraire, et dans un secteur qui, finalement, en basculant vers une agriculture plus durable, c'est un secteur qui peut être aussi pourvoyeur d'emplois. Oui, alors, je voudrais juste terminer mon propos quand même, parce que sinon, ce sera trop parcellaire et ce sera pas tout à fait, ça reflétera pas exactement ce que je voulais dire. Mais sur cette question de végétaliser notre alimentation, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que déjà, c'est végétalisé avec des protéines végétales non raffinées, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de basculer vers quelque chose d'ultra transformé à tout crin. Et puis, également, c'est aussi augmenter ces protéines végétales par des légumineuses et des céréales. C'est pas augmenter forcément la part de légumes. Et puis aussi, ce que je voudrais dire sur les régimes alimentaires, ça paraît peut-être un peu bête et très simpliste, mais quand on parle de diminuer la part de produits carnés, en fait, ce que j'ai lu dans un papier, et ça semble bête, mais c'est qu'en fait, nos impacts environnementaux, ils sont aussi liés à la proportion, le volume de calories totales qu'on ingère. Et donc, en fait, il y a une réflexion aussi à avoir d'arrêter aussi la surconsommation aussi alimentaire. Et donc, pour en venir enfin à ces producteurs, je suis désolée, je fais des rallonges. Non, mais c'est important, parce que c'est effectivement, on le disait dès le début de notre entretien, c'est que c'est très complexe et qu'il faut bien, bien comprendre tous les tenants, les aboutissants et bien sûr, le développement a lieu d'être, hein, Mathilde, il n'y a aucun souci. Donc, et on parlait effectivement du secteur d'emploi et de l'économie, parce que souvent on voit bien que les freins aussi qui sont exposés, les arguments, c'est sur ce terrain-là, ces manières de dire l'agriculture durable ne peut pas nourrir le monde et l'agriculture durable ne peut pas employer non plus tout le monde. Il y aura des secteurs qui seront donc mis à la peine, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Mathilde, vous voulez réagir? Oui, je veux réagir parce que justement ce lien en fait aux producteurs, mais aussi en fait à tous les acteurs de la filière, mais aux producteurs y compris, enfin a fortiori peut-être même, il est évidemment crucial. Et justement, on revient à ce rapport à la nature, et notamment je pense à l'élevage. On tape beaucoup sur l'élevage parce qu'on pense beaucoup à l'élevage intensif qui utilise des animaux comme des vraies machines à produire en fait. Mais l'élevage, quand il n'utilise pas les animaux comme des machines, et c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, ça nous replace aussi dans notre lien à l'environnement et ça nous remet dans notre environnement. C'est vraiment très important de garder ce lien-là et avec les producteurs et aussi, du coup, avec notre environnement. Donc,
Donc, bien évidemment. Et sur les questions du travail, alors, j'ai malheureusement pas eu le temps de regarder, mais j'ai regardé ça en diagonale. Je vous invite à regarder un webinaire de l'IDRI qui, justement, a vraiment pose un peu ce problème-là sur les différents scénarios possibles, y compris en termes de travail. Donc, bon, petite pub pour l'IDRI. Je ne sais pas pourquoi je fais une pub pour l'IDRI. IDDRI, je précise. Tout à fait. Vous allez voir IDDRI, l'IDRI, qui effectivement fait tout un travail sur ces questions économiques de fond. Yuna Chifolo, vous voulez réagir ? Oui, alors c'est vrai que l'agriculture conventionnelle, donc... est mise en avant pour sa capacité à nourrir le monde, qui en effet commence à être questionnée parce que c'est une agriculture qui est quand même liée sur un nombre réduit d'espèces et de variétés. Donc du coup, il y a menace si jamais justement ces espèces et variétés donc pouvaient être... déjà, ça peut être compliqué, les rendements deviennent compliqués avec le changement climatique. Et comme on n'a pas énormément de ressources puisqu'on a perdu toute une biodiversité, donc... C'est pour ça que c'est pas si évident. Évidemment, il faut changer les régimes alimentaires, rééquilibrer, puisque manger moins, mais mieux. Enfin, c'est tout cet enjeu-là aussi pour réduire non seulement l'impact environnemental, mais aussi tous les dégâts sociaux et économiques liés à une alimentation trop importante. On a des techniques agricoles, justement, très innovantes, intéressantes, la permaculture, qui montre aussi que d'autres voies sont possibles. On peut même avoir des rendements très intéressants. Et moi, je travaille avec des céréaliers qui font des rotations avec des légumineuses, avec de l'agroécologie, de la permaculture, et qui atteignent des rendements qui sont presque ceux d'une agriculture conventionnelle, sans utiliser aucun intrant et en valorisant uniquement les interactions entre les éléments de la nature. Alors, bien sûr, pas tout de suite, ça se fait au bout de 10-15 ans. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se dire que, en produisant différemment, et ça a été confirmé par des chercheurs d'INRAE sur l'agriculture biologique, qui montrent aussi, plus largement, sur un grand échantillon, qu'en agriculture bio, après 15 ans, on atteint des rendements aussi bons presque que l'agriculture conventionnelle, avec zéro intrant, enfin en tout cas que des intrants organiques, et donc avec justement beaucoup plus d'autonomie. Donc ce n'est pas du tout une fatalité, mais il y a une transition qu'il va falloir accepter, qu'il va falloir accompagner, surtout en ne supprimant pas l'élevage. On a besoin de l'élevage. Alors, pas n'importe quel élevage, on a besoin de l'élevage avec des prairies qui stockent le carbone. On a besoin d'élevage parce que ça évite les friches et les incendies derrière. Donc, on a besoin de paysages ouverts et c'est grâce aux animaux. Hein, donc, mais évidemment, pas n'importe lequel, et bien dans cette perspective de complémentarité entre l'homme, la nature, les animaux. Donc, et dans une perspective de durabilité. Et là, derrière ça, c'est des solutions pourvoyeuses d'emploi. Alors, même si, évidemment, ce serait trop simple de dire que l'agriculture, c'est un métier difficile quand même. Et donc parfois, bah, justement, certains s'y lancent et sont déçus, ou il y a des désillusions parce que c'est quand même des métiers compliqués. Et c'est là que les jeunes aussi, ou les nouveaux qui arrivent, ont des solutions. Ils s'installent à plusieurs, ou ils coopèrent. Et on a des nouvelles formes d'entrepreneuriat collectif parce que les jeunes se disent « Mais attendez, moi, travailler 70-80 heures par jour comme mon père ou comme les agriculteurs que je vois en place, bah, c'est peut-être pas la vie que j'espère. » Donc, c'est là qu'ils s'installent. Certains produisent ils partagent les tâches ou ils partagent un magasin ou ils partagent un outil de transformation. Et c'est là aussi que se réinventent les choses intéressantes. Y compris pour la durabilité, c'est que le circuit court, l'alimentation locale, recrée du collectif là où il n'y en avait plus, où il n'y en avait pas. C'est ça, et ces solutions collectives, on sait forcément qu'on sera plus fort à plusieurs, donc c'est aussi des lieux et des collectifs dans lesquels on apprend, on s'entraide, et donc c'est aussi ces leviers-là qui sont intéressants pour progresser vers des systèmes plus durables, y compris du point de vue de la qualité de vie. Et justement, un collectif, bah, c'est plus un emploi avec un type qui fait tout, produire, vendre, transformer, livrer, aller au marché, remplir le camion avec des vides fous, mais c'est un collectif à plusieurs qui peut justement être en plus ancré dans le territoire et générer plus d'emplois. Comme vous disiez, c'est vrai que c'est un métier extrêmement difficile, d'où l'entraide nécessaire, d'où la création de nouveaux modèles et puis d'où
Il faut le rappeler, le fléchage aussi des aides vers cette agriculture durable, peut-être plus massivement. Si on regarde notre alimentation concrètement, on voit bien qu'on dépend aussi des échanges mondiaux. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que ce sont des freins? On pense forcément aux accords de commerce, hein, comme le TAFTA, donc, entre l'Europe et les États-Unis, le CETA, l'Europe et le Canada, le Mercosur, donc entre l'Europe et certains pays d'Amérique du Sud. Quel est l'équilibre idéal entre le local et le global, Mathilde Coudray? Grande question, hein. Bon, grande question, non, et enfin oui, grande question, c'est sûr. Après, sur ces accords internationaux, ça rejoint en fait, j'ai plein de choses en tête, mais déjà l'alimentation, c'est pas une. Dans ces grands accords internationaux, on a l'impression que l'alimentation est un produit comme un autre, en fait. Et déjà là, nous, on va pas être d'accord, parce que l'alimentation, c'est pas un produit comme un autre. Et après, ces grands accords internationaux, ils rejoignent la question justement du changement d'échelle. En fait, toutes les initiatives dont on parle jusqu'alors, ces initiatives de terrain, en fait, elles sont très importantes. Et Yona l'a très bien dit, parce qu'en fait, elles permettent justement d'explorer la multiplicité des modèles qui va être possible, en fait, de se développer. Mais on n'arrive pas à faire masse, on en revient toujours au même. Et en fait, ces grands accords internationaux, justement, on perd complètement la main sur ces grands accords internationaux. On a l'impression que c'est décidé par des politiques dans leur coin, où nous, on est complètement en dehors de ça. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de... Il manque encore aujourd'hui ce lien, en fait. Alors, ça, manifestement, s'il manque un lien démocratique, il manque le lien entre le local et ce qui se passe sur le local, qui peut être, sur des territoires qui peuvent être fabuleux, qui peuvent être très inspirants. Mais ça n'empêche qu'il va falloir maintenant aller changer ce cadre qui ne permet pas cette accélération des transitions, de la transition, à changer le cadre national, changer le cadre européen. Et alors, il y a des choses qui se font, il y a des coalitions, il y a notamment les collectivités territoriales, elles peuvent se regrouper dans des réseaux pour échanger leur savoir, discuter sur leurs problématiques. Il y a aussi des choses à Bruxelles avec des experts qui travaillent qui poussent à un changement de la PAC pour non plus une politique agricole commune, mais bien une politique alimentaire commune pour voir les choses de manière plus large sur le système alimentaire. Mais voilà, enfin, ça souligne bien justement cette difficulté qu'on a entre l'échelle locale et le global. Après, c'est pas non plus tout contre le global. C'est-à-dire que l'alimentation, notre alimentation aujourd'hui, elle s'est enrichie aussi par les échanges avec le lointain depuis toujours. Donc l'idée, c'est pas non plus qu'on remange plus que ce qu'on peut produire chez nous. Ce serait un peu triste. si on regarde ce que vous avez sur la table au petit déjeuner, et voilà, c'est anecdotique, mais c'est complètement vrai. C'est-à-dire que regardez ce que vous avez dans votre tasse. Peut-être que vous buvez du jus de pomme du verger du voisin, et tant mieux, il est sûrement peut-être très bon, mais voilà, on a du café, on a du thé, on a du chocolat, et on s'enrichit aussi de l'échange avec les autres. Mais en fait, l'enjeu, il est que ces échanges, justement, avec le lointain, ils ne soient plus source d'inéquité, ils ne soient plus source d'impact environnemental. Et en fait, il est là l'enjeu plus que le global contre... c'est pas ce qu'on dit, mais voilà, c'est évidemment pas tout contre pas le global. Pas le global contre le local, hein. Yuna c'est, Chicolo, pas... c'est ça ouais. Oui, non, puis c'est ça. C'est justement cette idée qu'à travers le local, on apprend les règles du jeu, et on apprend à reprendre la main, pour ensuite pouvoir être plus armé pour reprendre la main sur le global. Et ça, je pense qu'on n'y est pas encore, mais on y va. C'est-à-dire que dans le local, parce que des dialogues sont possibles, parce qu'on comprend ce que veut dire ce qu'il y a, une tomate n'est pas forcément la même tomate quand elle a passé 15 jours en chambre froide et qu'elle est vendue dans un supermarché, que quand elle a été cueillie à maturité, qu'elle est vendue par un producteur qui gagne sa vie grâce à ça. Donc voilà, donc... On comprend ces règles-là. Et finalement, on le voit, nous, dans les territoires qu'on accompagne, des gens commencent après
avec tous ces apprentissages-là, à se dire non, mais attendez, mais moi, j'achète plus ou je fais gaffe, même quand je vais au supermarché, je fais gaffe à d'où ça vient. Et puis, voilà. Donc, petit à petit, ils reprennent les rênes, ils reprennent la main, ils sont plus armés pour ensuite voir ce qui peut se faire à d'autres échelles. Donc, évidemment, c'est bien cette coexistence, cette complémentarité entre le local et le global qui doit se jouer. Mais là, avec les accords internationaux, on a un problème de cohérence quand même. Donc, il s'agit bien aussi de voir comment on peut reconstruire aussi de la solidarité entre territoires. Il faudrait éviter de relocaliser avec de la chimie, de la synthèse, de la technologie et de la viande en cellules. Enfin, si vous pouvez aimer la viande en cellules, mais enfin, à Singapour, déjà, on mange des nuggets de poulet issus de cellules, issus de cultures in vitro. Il n'y a rien, il y a juste une cellule souche au départ, on l'a multipliée, puis on vous fait des nuggets de poulet. Bon, la France est un pays gastronomique, mais on n'est pas à l'abri de ça. Alors voilà, donc c'est pour ça que, par contre, des solidarités entre territoires pour se dire, est-ce que c'est finalement la peine qu'à Lille, on se mette à produire des tomates, alors qu'à Montpellier, on en a plein et qu'on les jette ? Ben, peut-être pas. Donc du coup, ça veut dire une alliance entre Lille et Montpellier, mais aussi entre Lille et le Cameroun pour du chocolat, enfin bref, donc... Bah, des solidarités entre territoires, parce que là, on s'est rendu compte, c'est qu'on est nourri par des flux qu'on ne maîtrise pas. L'État, au niveau des statistiques, n'a plus la main, y compris sur la provenance des produits. On sait globalement d'où vient notre alimentation, mais pas complètement, parce que les statistiques ne sont pas complètes. Les données sont chez les privés. L'État ne sait pas un certain nombre de choses, donc on ne maîtrise plus les flux qui nous alimentent. On ne sait pas complètement d'où vient ce qu'on mange. Bah déjà, il faut se réapproprier ça, savoir d'où vient ce qu'on mange. Et ensuite, on fait des choix éclairés, en se disant, bah, je peux très bien acheter des choses au Brésil ou au Canada, mais à ce moment-là, j'ai besoin de savoir d'où ça vient et comment ça a été produit. Hein, c'est plutôt cet enjeu solidarité interterritoire et transparence dans les chaînes. Mais qui, évidemment, pour l'instant, on en est loin. Donc, on a ces choses à reconstruire, mais avec des gens qui se forment. Voilà, le local, c'est un laboratoire d'apprentissage. Et puis, quand on aura des gens mieux formés, plus armés pour comprendre les règles, on pourra justement, je l'espère, hein, enfin, en tout cas, on l'espère, envisager d'autres possibles. Mathilde Coudreau, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Oui, je voulais ajouter une petite chose sur les choix éclairés, parce que je tiens quand même à parler de la limite quand même de la responsabilisation du consommateur, parce que on peut pas, et enfin bon, tout ce qu'on a dit jusqu'alors le souligne, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais on peut pas faire reposer uniquement la responsabilité sur le dos du consommateur. Parce que, ben déjà parce qu'on a compris que c'était très compliqué, et puis parce qu'aujourd'hui, le consommateur, déjà, alors on dit qu'il n'y a pas d'information, mais enfin, on dit qu'on se pose la question s'il manque de l'information, mais on se pose aussi la question de s'il n'y a pas trop d'information, parce qu'il y a une telle cacophonie autour de certains produits, il y a des labels de partout maintenant, il y a le Nutri-Score, il y a les labels équitables, les labels bio. Enfin, franchement, si vous voulez acheter un produit, vous avez, exemple, vous avez le Nutri-Score D, mais par contre, le produit, il est bio et équitable. À côté, le même produit avec un Nutri-Score A, ni bio, ni équitable. Comment vous faites votre choix, franchement? Comment vous faites votre choix? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que le consommateur ait de l'information, bien sûr que non, mais c'est très compliqué quand même aujourd'hui de faire le tri dans tout ça. Et parmi tous les labels, bien sûr. Enfin, voilà, je vais parler du Nutri-Score, du bio et de l'équitable, parce que c'est des choses assez connues aujourd'hui, mais il y a plein de choses, moi-même, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles je ne sais pas ce que c'est. Et donc, en fait, ça crée beaucoup de culpabilité, ça crée beaucoup d'angoisse sur le consommateur. Et là, c'est une vraie limite de la responsabilisation du consommateur. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ont les moyens, qui ont, la disponibilité mentale, qui ont envie, ne doivent pas s'intéresser et creuser tout ça. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas, attendre que... on ne peut pas mettre la responsabilité uniquement sur le dos du consommateur. Donc, il n'y a pas une démocratie aussi alimentaire, hein, ça rejoint cette question-là. Yuna Chifolo, justement, comment est-ce qu'on peut rendre
comment est-ce qu'on pourrait, en tout cas, rendre cette alimentation durable à la portée de tous? Il y a des chercheurs, je pense à Dominique Paturel de l'INRAE, justement, qui travaille sur la démocratie alimentaire et qui a proposé de mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation. On voit bien qu'il y a une inégalité et qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile à imaginer, en tout cas à cautionner. Oui, alors tout d'abord, justement, je confirme ce qu'a dit Mathilde. Hein, il s'agit, et quand je disais que le local, c'est, ça permet aux personnes d'apprendre les règles du jeu et de reprendre la main, je pensais aussi aux élus et pas simplement aux consommateurs. Parce que les élus aussi manquent de. Les élus ne sont pas forcément justement formés à ce que c'est qu'un système alimentaire et comment il fonctionne. Donc, c'est aussi les élus qui peuvent reprendre la main et du coup, avec les consommateurs, avec les citoyens, mais aussi les acteurs des systèmes alimentaires. Donc, il y a ces laboratoires, c'est cette idée que dans le territoire, on peut mieux comprendre les règles du jeu et s'entraider justement pour les comprendre et coopérer pour agir et échanger des chaînes. Alors, en effet, la précarité alimentaire avec... donc moi j'avais travaillé, donc Dominique Paturel accompagné les Restos du Cœur pour introduire les produits locaux en circuit court dans les filières de l'aide alimentaire avec les Restos du Cœur. D'ailleurs ça s'est fait à Montpellier. Alors, mais en même temps on voyait bien les limites de ça, c'est-à-dire qu'une fois que les restos que la campagne est finie, les gens ils n'ont plus forcément la possibilité d'accéder à ces produits frais. Donc, et puis l'aide alimentaire ça reste une solution d'urgence et il s'agit de voir ce qu'on peut faire d'autre. Donc, même si évidemment on comprend bien la difficulté. Du coup, d'ailleurs, point intéressant, c'est que Dominique avait pointé que finalement, quand même, le problème aussi de ça, c'est que de ces filières de l'aide alimentaire, c'est souvent de considérer que les pauvres ne savent pas cuisiner ni s'alimenter. Or, il y a des gens issus qui sont pourtant dans des conditions difficiles, qui savent très bien s'alimenter, qui connaissent aussi, qui savent cuisiner les légumes, les familles d'origine étrangère. Et donc, Dominique avait montré aussi que parfois, c'était plutôt les bénévoles de l'aide alimentaire qui finalement avaient consommé moins bien que les bénéficiaires et que du coup, on pouvait inverser les choses et proposer que ce soit les bénéficiaires qui aussi... donc pour éviter cette stigmatisation tout le temps sur le pauvre qui ne sait pas cuisiner et qui s'alimente mal. Mais n'empêche que voilà, faut faire autre chose. Donc s'inventent dans les territoires des systèmes aussi de solidarité. Les AMA proposent des paniers solidaires. Enfin, on a un certain nombre d'initiatives locales. Des choses aussi plus intéressantes qui essaient de mettre la mixité, c'est-à-dire de faire des groupements d'achat avec des plus aisés, des plus pauvres, mais aussi des plus sensibilisés, des moins sensibilisés pour avoir ce brassage. Et j'ai accompagné par exemple une épicerie à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, où justement une épicerie qui est ouverte à tous les publics, et y compris à des publics qui sont envoyés par le, enfin qui sont identifiés par le CCAS, donc le Comité d'Action Sociale, et qui viennent justement dans cette boutique qui n'ont pas les mêmes, qui ont accès à des prix plus bas, mais qui ne sont pas stigmatisés pour autant, puisqu'il y a une carte de paiement où on ne voit pas le prix que vous payez, et donc ça permet justement ces rencontres et cette mixité, pour éviter de mettre les pauvres en parallèle de notre société. Et puis, donc, Dominique travaille en effet donc, avec tout un réseau d'associations, de collectifs sur ce projet de sécurité sociale alimentaire, dans cette idée qu'au même titre qu'on a accès, on a accès universel aux soins, qu'on puisse accéder tous ils ont fait des modélisations, a priori ce serait, c'est l'idée déjà d'avoir un fonds de 150 euros par personne et par mois pour s'alimenter, donc pour avoir accès à des produits frais, locaux, qui viendraient donc de producteurs, pour avoir justement aussi cette solidarité vis-à-vis des productions agricoles. Ça aussi, c'est des choses qui s'expérimentent avec des collectivités, où elle est en train d'accompagner, alors on discute avec la région Occitanie, mais aussi les Hauts-de-France, pour mettre en place justement une caisse sociale pour l'alimentation, donc basée sur le système des cotisations sociales, pour pouvoir justement, au niveau de la réglementation, et pas simplement en bonne complémentarité avec des initiatives locales, portées plutôt par des citoyens ou par des distributeurs d'épiceries qui auraient envie de cette solidarité, de mettre cette solidarité dans leur épicerie. Et donc là, on est justement sur un changement de règles, de la réglementation, qui est soutenue d'ailleurs... y compris par une députée qui porte un amendement sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc là aussi, les débats, évidemment, il y a des réticences fortes, évidemment, il y a des verrous là aussi, mais en tout cas, le débat progresse.
Mathilde Coudray, sur ces questions, c'est vrai qu'on sait que donc, cette alimentation durable, elle n'est pas pour tous aujourd'hui, mais elle devrait être un droit, comme le droit à la santé. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un retour à la dignité et à l'égalité. Oui, enfin, ce qu'a dit Luna, en fait, il est important aussi dans ces questions de durabilité d'intégrer vraiment les préoccupations sociales. Et on ne peut pas... On ne peut pas réfléchir les deux indépendamment. Et on voit bien notamment, on est d'accord aujourd'hui sur le fait que l'alimentation finalement devrait coûter plus cher si on intégrait vraiment ce que coûte l'alimentation aujourd'hui, les externalités négatives en termes d'impact, enfin pour que les producteurs puissent avoir vraiment une valeur ajoutée intéressante dans leur poche, etc. Finalement, l'alimentation devrait coûter plus cher, mais qui aujourd'hui pourrait se payer ce prix-là, quoi. Donc, on a vraiment ce lien. Il est vraiment urgent, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour autant, mais c'est vraiment très important d'intégrer ces préoccupations sociales aux questions durabilité et aux questions donc de l'alimentation durable, de fait, c'est sûr. Et puis, donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose aussi sur ces questions-là, c'est que où il peut y avoir une inquiétude, où moi, je peux avoir de l'inquiétude, et notamment dans le contexte actuel, c'est... disons, peut-être pas parler d'inquiétude, mais où il faut être attentif, c'est justement ne pas rompre les liens. Et on voit bien cette crise sociale de dingue aujourd'hui, et on ne sait pas encore ce que ça va donner dans les mois, années à venir. Et il est vraiment important, pour revenir vraiment à la question de l'alimentation durable, c'est de ne pas rompre les liens non plus dans la réflexion sur l'alimentation durable. C'est-à-dire de réfléchir ensemble, d'essayer vraiment d'intégrer l'ensemble de la population, alors sur un territoire donné, hein, par exemple, et de travailler ensemble à ce que pourrait être une alimentation durable. Et ça, c'est pas simple, parce que c'est un vrai projet de société, en fait. C'est vraiment un vrai projet à réfléchir ensemble pour un projet de société. Et l'idée, c'est ce qu'on a dit aussi à un moment donné ce soir, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ces questions de nourrir les gens, on n'est plus non plus dans cette question de lutter contre la précarité alimentaire, en fait. L'idée, c'est pas ça. L'idée, ce serait vraiment de réussir à ce que l'ensemble des gens puissent avoir accès à l'alimentation. Comme a dit Yona, elle a parlé de dignité, hein, c'est-à-dire que tout le monde ait accès en fait à une même type d'alimentation, une même qualité d'alimentation. Et donc, pour ça, en fait, on n'est plus à lutter contre la précarité alimentaire, mais en fait, c'est lutter contre la précarisation de manière générale, quoi, pour que les gens puissent avoir les moyens d'avoir accès à une alimentation pour tout le monde de même qualité, quoi. Donc c'est pas simple, hein, mais je pense que c'est vraiment un point à être attentif là-dessus. Et sur intégrer les préoccupations sociales, bien sûr, dans nos réflexions sur la durabilité de l'alimentation, mais aussi de réussir à embarquer un maximum de personnes et à ne pas laisser une partie de la population en dehors de ces questions-là, quoi. Et oui, c'est ce que dit effectivement, notamment hein, Dominique Paturel, mais en tout cas les chercheurs centrés sur ces questions de démocratie alimentaire, c'est de ne plus avoir idéalement besoin de recourir à des banques alimentaires, mais de juste permettre une alimentation durable pour tous, et une alimentation tout simplement déjà pour tous, mais durable bien sûr. Je regarde du côté des questions justement des internautes qui nous suivent dans ce direct, dans ce live. Donc on a cette question-là, bonsoir. Comment les politiques publiques peuvent-elles contribuer à créer un système alimentaire vertueux ? Ouais, je pense que celle-là, c'est pour Yona, mais bon, je vais être d'accord. Merci Mathilde pour cet encouragement. Alors en France, on a depuis 2014 un nouvel outil politique qui est intéressant, qui s'appelle les projets alimentaires territoriaux. Donc ça a été inscrit dans la loi d'avenir agricole. Et c'est cette idée que c'est une incitation pour que les territoires réunissent l'ensemble des parties prenantes des systèmes alimentaires pour co-construire une feuille de route pour soutenir les circuits courts, l'alimentation locale et plutôt durable. Alors, ça a été beaucoup orienté vers l'approvisionnement local et durable de la restauration collective au départ, mais pas seulement, c'était bien l'idée justement d'envisager toutes les actions à mener localement dans les territoires. Alors, comme nous, on se dit que le territoire, c'est justement un lieu important pour construire la durabilité, ça allait plutôt dans le bon sens.
Le problème, c'est que, y compris cette politique publique-là, eh bien, il y a eu une institutionnalisation, c'est-à-dire qu'il y a eu parfois, enfin en tout cas, c'est beaucoup des institutions entre elles, alors qui déjà géraient finalement l'agriculture avant, alors maintenant disent qu'elles gèrent l'agriculture et l'alimentation, mais on n'a pas beaucoup plus de démocratie, pas beaucoup plus de participation des parties prenantes, et souvent des grands exclus. Donc les consommateurs, les citoyens, alors qu'ils sont à la limite consultés, mais pas vraiment associés aux actions concrètes. Et puis, on peut regretter que les collectivités passent beaucoup de temps, mettent beaucoup d'énergie à essayer de mettre la grande distribution autour de la table et finalement oublient tous ces acteurs économiques tels que les artisans, les commerçants de proximité, les restaurateurs qui font la vie des territoires, qui représentent quand même des volumes non négligeables. Et qui peuvent être des très grands partenaires de l'alimentation locale et qui pour autant sont pas reconnus. Donc là, on voit quand même que cet outil, mais je reste convaincue que cet outil est un outil avec plein de potentiel, puisqu'il remet justement la possibilité d'agir au niveau des territoires. Après, évidemment, bon, on en a parlé un petit peu, hein, la politique nationale, donc elle a des possibilités sans que ça coûte de faire bouger les choses. Et en particulier, vraiment, là où elle peut faire bouger les choses, c'est de débloquer le foncier agricole pour qu'il ne parte plus simplement à l'agrandissement, mais qu'il serve d'autres enjeux, hein, d'autres enjeux, et en particulier l'enjeu, justement, d'une alimentation plus locale et plus durable. Vous êtes de temps en temps auditionné, hein, Yuna Chifolo, par des députés ou autres. Concrètement, qu'est-ce que vous attendriez-vous de cette loi ou qu'est-ce que vous attendez de cette loi climat-résilience ? Est-ce que vous avez bon espoir ou on a vu que dans les semaines précédentes, les 5000 amendements avaient été donc travaillés en amont, beaucoup retoqués. Voilà, où vont vos espoirs ? Alors oui, alors parmi les 5000, on en a peut-être fait 10 ou 20, donc on a contribué justement à cette liste d'amendements et donc on a travaillé avec les députés, alors les députés de la majorité, mais pas seulement, les députés aussi d'autres partis politiques. Donc en effet, donc on peut regretter qu'ils aient été refusés. Alors il y a encore des choses qui sont a priori en discussion, c'est pas complètement clos, hein, donc je crois qu'il faut continuer. Et puis de toute façon, ces amendements, alors qui touchaient aussi bien le foncier agricole que la réglementation, que l'idée de permettre justement aussi par la réglementation des plus petites unités de transformation, parce qu'on sait que là aussi, c'est là que ça peut permettre de la valeur ajoutée pour les producteurs et puis de maintenir, de structurer des filières alimentaires locales, hein, au-delà du circuit court qui serait que la fin et la commercialisation. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de pistes possibles, mais évidemment, pour l'instant, c'est mal parti, on va dire, mais on garde espoir. Mathilde Coudray ? Oui, en fait, je voulais compléter aussi sur les collectivités territoriales, parce que peut-être que ça vaut quand même le coup aussi de préciser que les collectivités territoriales, les élus, en fait, ils ont quand même dans leur besace des compétences qui sont intéressantes quand même pour travailler sur l'alimentation sur un territoire. Donc bon, c'est la base, mais je sais pas si tout le monde est bien au fait de ça. Donc c'est vrai que aussi pour ça, un territoire, c'est la bonne échelle justement pour mettre autour de la table toutes les parties prenantes. Parce que c'est déjà plus simple de travailler avec toutes les parties prenantes sur un territoire plutôt qu'au niveau national. Et puis aussi parce qu'elles ont des collectivités territoriales, elles ont des compétences justement de gestion du foncier, le foncier agricole et le foncier urbain. Et puis aussi d'autres compétences comme la commande publique, notamment pour la Restoco, mais aussi la gestion des déchets. Et en fait, c'est complètement pertinent aussi pour eux de travailler sur cette question alimentaire parce qu'en fait, ça va faire écho à leurs problématiques, en fait, à leurs travaux aussi sur les questions de durabilité de la ville et puis d'inégalité sociale, on pourrait dire. Donc c'est vrai que les élus, en fait, enfin les collectivités territoriales, il n'y a pas que les élus, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de gens dans les collectivités territoriales qui travaillent, mais voilà, ils ont vraiment, c'est vraiment important cette échelle pour avancer sur les territoires. Et puis après, il y a aussi des réseaux qui permettent les échanges alors en France et aussi à l'international qui permettent des échanges de compétences. Et du coup, de faire un petit peu masse, en fait. Je pense notamment au pacte de Milan, qui est un pacte qui a été signé par
je crois, 200 villes à la base. Alors maintenant, je ne sais pas combien il y en a qui ont signé ce pacte de Milan, mais ça permet quand même de faire un réseau alors de villes, alors de toutes petites villes ou de grandes métropoles, mais en fait d'échanger et en fait de faire quand même un petit peu poids petit à petit. De se mettre en réseau en fait, et certaines villes deviennent des villes laboratoires d'expérience, où les autres maires peuvent venir se nourrir et voir un petit peu ce qui fonctionne. Il y a aussi le C40, hein, je crois, qui fonctionne comme ça, effectivement, avec différentes villes, dont des grandes, ou des capitales ou des grandes métropoles. Il y a quelques questions qui arrivent de la part du public, et là on voit bien que la question entre l'intensif et le bio est très présente, hein. Enfin, cette question est présente en tout cas. Est-ce qu'une durabilité faisable n'est-elle pas la combinaison de multiples approches, circuits courts, fermes urbaines, bio, zonées, agroécologie, intensif, etc., en fonction des réalités des régions, en équilibrant l'ensemble? Le problème aujourd'hui est sans doute la prééminence trop forte de l'intensif. Par exemple, le 100% bio n'est pas vraiment réaliste. Voilà, il y a beaucoup de choses hein, dans cette réaction. Qui voudrait peut-être vous apporter quelques éclairages ou ressentis, retour d'expérience, justement ? Yuna Chifolo ? En fait, je crois qu'on a porté justement qu'on n'était pas des... pragmatique, et puis surtout, enfin, que ce soit Mathilde avec la chaire UNESCO ou nous à INRAE, vraiment, on est sur le terrain, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette. Mais par contre, il y a des bonnes façons de faire. Et je reviens hein, sur cette idée d'essayer de décider démocratiquement de ce qu'on doit faire pour aller vers plus de durable. C'est pour ça que nous, on a mis en place une démarche qui s'appelle Ici, c'est local, qui est une démarche de co-construction d'une feuille de route autour des produits locaux. C'est pour signaler les produits locaux et respectant certains critères de durabilité sur les marchés de plein vent, dans les commerces, donc dans les territoires avec un code couleur. Mais en fait, les critères de local et durable, ce sont les consommateurs qui les décident avec les producteurs, les artisans, les commerçants et si possible leur collectivité quand elle est partante. En tout cas, producteurs, artisans, commerçants et consommateurs décident ensemble de ce que c'est qu'un produit local et durable. Et du coup, ça se diffuse en France. Et ça n'a pas forcément la même définition. Parce que quand vous êtes dans la Drôme, il y a beaucoup de bio déjà. Donc, ça veut dire peut-être aller plus loin même encore. Alors que quand vous êtes dans d'autres régions ou dans Paris, c'est moins évident. Donc, c'est pour ça que justement, ce qui est important, c'est de pouvoir débattre de tout ça. Parce qu'on voit bien que bio, raisonné, tout ça. En plus, il s'agit en plus d'en comprendre. Parce qu'il y a bio et bio. Il y a un bio industriel qui est... En effet, pas forcément mieux qu'une bonne agriculture raisonnée locale, mais voilà, mais tout ça, il faut le comprendre. Il faut en débattre. Et donc, avec cette démarche la participative, justement, c'est un cadre pour permettre cette construction de la durabilité au plus près des territoires, au plus près de la réalité des territoires, puisque on ne va pas forcément justement devoir avoir les mêmes efforts à fournir, les mêmes chemins à emprunter pour construire du durable en fonction de là où on est et de là où on habite. Mathilde Coudray, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je rejoins Yuna aussi la nécessité. Je sais pas, c'est une nécessité partout, mais en tout cas sur accompagner en fait, parce que effectivement, je pense qu'il faut être attentif, intégrer tout le monde, à justement réussir à mettre des gens autour d'une table, à donner de l'information, bien sûr, aussi, qu'il faut qu'il y ait de l'information. Mais du coup, il y a besoin d'outils aussi pour ça, en fait. Et notamment, moi, je pense à un projet de recherche qui s'appelle Urbal, justement, qui a visé à travailler avec les parties prenantes sur une initiative, par exemple, d'épicerie en centre-ville ou de cantine en restauration, enfin, sur la restauration collective, qui a visé à travailler avec les parties prenantes, à voir quels sont les chemins d'impact de leur initiative et les chemins d'impact en termes de durabilité, voir comment pour les gens qui sont porteurs d'initiatives, comment on est capable de savoir aussi quel est l'impact de notre initiative. Et ça, c'est très compliqué, et ça se fait aussi avec toutes les parties prenantes, alors d'un territoire par exemple. Et donc, il y a aussi ce souci d'accompagnement et d'amener des outils, d'amener aussi des indicateurs pour pouvoir savoir un petit peu de quoi on parle. Et ça, il y a encore pas mal de boulot là-dessus, il me semble.
Bon, en tout cas, je regarde du côté des questions. Je ne vois plus de questions se manifester. Je pense que vous avez été très complète et l'une et l'autre. Dans la dernière minute, est-ce que vous voulez conclure peut-être par un message, par quelque chose ? Si on vous comprend bien, en tout cas, cette alimentation durable, elle est envisageable, elle est réaliste, elle est faisable. Il y a différents modèles. Il faut certainement accompagner, en tout cas, pour la voir se développer de façon cohérente sur le terrain. Est-ce que c'est, on peut finir par ce message-là, et l'une et l'autre ? Allez-y, vous avez le mot de la fin, Mathilde ? Alors moi, en mot de la fin, je vais vous inviter en fait à venir à la JPAD jeudi prochain parce que en fait, on va continuer le débat avec des étudiants du master spécialisé IPAD justement et qui justement s'interrogent sur ces initiatives de terrain et qui décortiquent un petit peu comment elles peuvent aller plus loin et comment c'est compliqué. Et moi, mon mot de la fin, c'est vraiment cette attention, en fait, à construire un projet de société ensemble et à être attentif à ne pas rompre les liens. Voilà, moi, j'en resterai là-dessus. Yuna Chicolo, allez-y. Oui, alors, moi, le mot de la fin, il est vraiment, l'alimentation durable, elle est à la portée, elle est à notre portée. Enfin, c'est ça, je pense que, mais pas que en tant que consommateur, voter avec son caddie. Parce que ça, c'est une approche beaucoup trop libérale et qui privilégie l'action par le pouvoir d'achat, ce qui n'est pas du tout la façon dont on voit les choses. Mais elle est à notre portée, qu'on soit producteur, consommateur, citoyen, élu, distributeur, y compris de la grande distribution, elle est à leur portée également. Et par contre, n'oublions pas l'alimentation sans agriculture. C'est justement, elle a beaucoup moins d'avenir. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on protège les agriculteurs. Ils sont très menacés. Travailler avec eux, c'est ce que vous dites. Voilà, travailler avec les agriculteurs, ne pas faire ni contre ni sans, y compris avec les agriculteurs conventionnels, qu'il faut accompagner pour aller vers d'autres possibles. Et ça, justement, localement, sans jugement, sans stigmatisation, là aussi, accompagner les agriculteurs conventionnels qui sont souvent en grande détresse. Là aussi, il faut justement qu'on puisse s'ouvrir à eux et qu'on puisse leur montrer et les accompagner dans d'autres chemins. En tout cas, réfléchir à ces autres modèles que vous avez évoqués, bien sûr, et avec tous ceux qui peuvent y prendre part. Ça fait penser à la citation de Claude Lévi-Strauss que je vous livre. « Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. » Merci à toutes les deux. Merci Mathilde Coudray, merci Yuna Chicolo. Je rappelle quand même pour les auditeurs et les téléspectateurs, tous les internautes qui nous suivent, bien sûr, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans des livres. Yuna Chicolo, votre livre « Les circuits courts alimentaires entre marché et innovation sociale » édité chez RS. Et je rappelle le livre que vous avez co-dirigé, « Manger au temps du coronavirus », un livre paru aux éditions Apogée. Et puis Mathilde Coudray, bien sûr, on convie les internautes à aller sur le site de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. J'en profite aussi pour mentionner la chaire ANCA qui a lancé, pour ceux qui le souhaitent, un Instagram intéressant justement sur l'alimentation pour les jeunes. Je rappelle que toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le site de la BPI. Rencontre aussi que l'on vient de vivre, cette rencontre, elle est disponible en replay sur Facebook et sur le site de la BPI, bien sûr. Au revoir à tous. Merci. Merci, au revoir.